Au nord de l'Espagne, le soleil se couche sur la Costa Brava et une nouvelle nuit de folie va commencer. Car aux environs de 23 heures, il y a foule dans les rues de cette station balnéaire. Pourtant, nous sommes hors saison. Des milliers de jeunes arrivent par groupes entiers pour faire la fête et boire sans aucune limite. Tous sont déjà bien éméchés et dans le centre-ville, l'ambiance tourne au chaos. Ils traversent déguisés au milieu des voitures, grimpent sur le mobilier urbain ou encore se livrent à des exhibitions en tout genre. Des hordes d'étudiants qui effraient certains habitants, comme cette maman et sa fille apeurées. Ces virées nocturnes mettent les services d'urgence sur le pied de guerre. Ce soir-là, c'est Isaac qui est de permanence et la nuit s'annonce agitée. Ok, central, j'y vais. Sa principale mission cette nuit, secourir les touristes qui ont consommé beaucoup trop d'alcool. Pour moi, les pires fêtards, ce sont les Anglais. Ils boivent toute l'après-midi. Ils commencent très tôt, ils font la tournée des bars et des pubs. Au même moment, les policiers viennent de l'appeler pour une urgence. Apparemment, ce qu'on sait, c'est que c'est un jeune, il est au sol. On ne sait pas ce qu'il a. La police vient de m'appeler. Isaac cherche avant tout à savoir ce qui s'est passé. Hola, bonita. Bonsoir. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? C'est un coma éthylique. D'accord. Les policiers ont retrouvé ce jeune, totalement inconscient et désorienté. Il errait à la périphérie de la ville. Sergio, non? Tu as beaucoup bu? Non. Et tu n'as pris que de l'alcool ou autre chose? Oui, que de l'alcool. Oui? On est là pour ton bien, tu sais. J'ai bu un petit peu, c'est vrai. C'est quoi un petit peu? Bah, une bouteille entière d'alcool. Mais quoi, du gin ou autre chose? Bah, après j'ai bu... Bon, laisse tomber, tu ne te souviens même pas. Pour éviter de le laisser vagabonder, Isaac le confie aux policiers qui ont accepté de le ramener chez lui. Si on devait ramener toutes les personnes qui se saoulent et qui boivent, on serait totalement débordés. Là, c'est génial que les policiers nous filent ce petit coup de main. Isaac démarre un marathon qui va durer plusieurs nuits d'affilée. Car tous les week-ends du printemps, les incidents se multiplient sur la Costa Brava et certains peuvent parfois dégénérer en drame. Ces week-ends de folie qui ont gagné toute la Costa Brava proviennent d'une mode issue des États-Unis, les fameux Spring Break. Sauf qu'ici, ces milliers de jeunes qui font la fiesta ne sont pas du cru. Ils viennent de toute l'Europe pour s'éclater d'avril à juin. Ils se concentrent tous sur une zone bien précise, au nord de l'Espagne, en Catalogne, autour de Barcelone. Et voilà le problème. Ces stations balnéaires se sont développées autour d'un tourisme familial qui ne gênait pas les habitants du coin. Mais avec ces nouveaux fêtards déchaînés, c'est une toute autre histoire. Surtout depuis qu'ils débarquent massivement par quarts entiers. Car cette ruée ne doit rien au hasard. Elle est planifiée par des dizaines de tour opérateurs qui exploitent ce nouveau filon. Résultat, 100 000 jeunes viennent s'enivrer sur la Costa Brava chaque année. Français, Espagnol, voyons qui est le meilleur. On boit. On boit. Le succès de ces voyages repose sur une seule promesse garantie par les organisateurs. Alcool gratuit et à volonté de 10h à minuit dans les bars des hôtels. Des hôtels qui sont tous situés à côté des discothèques, donc en plein centre-ville. Alors la cohabitation entre les fêtards et les Espagnols qui logent à côté se passe de plus en plus mal. Les parents comme nous qui avons de jeunes enfants, on voudrait pouvoir dormir. On vient se reposer. Et tu entends le bruit qu'ils font?
Et dernier problème, ces hôtels ne sont pas habitués à accueillir des centaines de gens qui ont pour objectif de se lâcher sans limite. Résultat, les fêtes tournent parfois au drame. C'est ce qui est arrivé au jeune Alan, tout juste 18 ans, pour son premier spring break, au moment de notre enquête. Un accident qui a conduit sa mère et toute sa famille à venir en urgence sur la Costa Brava. Il est parti, il m'a dit, t'inquiète pas maman. C'était son mot ça. T'inquiète. Le drame est arrivé et on en est là quoi. On fait la fête ou pas ? Pour leur première expérience, Antoine et Jennifer sont loin d'imaginer de tels dérapages. Ils sont là pour faire la fête, ils sont là pour faire la fête, tout le monde est là pour faire la fête. Pourtant, ils perdent pied très facilement et la fête comporte des risques. Malgré Manu, un des organisateurs du Spring Break, qui a embauché des vigiles pour tenter de contenir ces fêtards en furie. Mais ils vont avoir bien du mal. Quand les fiestas espagnoles virent au cauchemar, la Costa Brava se réveille avec la gueule de bois. Sur l'autoroute du Soleil, un des bus du Spring Break file à vive allure vers l'Espagne. À l'intérieur, les fêtards sont tous français. Ils viennent de quitter la région parisienne pour un séjour qui s'annonce animé. Jennifer, à gauche, une infirmière de 24 ans, et Roxane, 20 ans, sont du voyage. Je me dis, c'est un truc à faire peut-être une fois dans sa vie pour voir un peu ce que ça donne. Et puis, voilà, on verra le retour s'il est positif ou négatif. Mais je sens bien, là. Je sens bien. J'attends la fête et l'alcool. Voilà. Open bar toute la journée, hein. Cac, alcool, drogue. Alcool à volonté, même si cela risque de les rendre malades. C'est la promesse faite par les organisateurs avec en prime des prix cassés. Jennifer, ça coûte combien en gros là, ton voyage, c'est cher ou... Tout voyage, ouais. Au complet, il faut compter 250 € à peu près. 3 jours, du coup, on peut manger, boire à volonté. On a les soirées du coup en boîte qui sont comprises dedans. Donc voilà, c'est assez intéressant, ouais. Il y a bien quelques règles, comme l'interdiction de boire de l'alcool dans les bus, mais elles sont immédiatement transgressées. Ouais, ils marquent, ouais, interdit à l'alcool dans le bus, mais bon, s'ils savent très bien qu'il y en aura obligatoirement, qui vont ramener, donc... Une interdiction que les organisateurs ne s'échinent pas vraiment à faire respecter. Bref, lorsqu'ils arrivent sur la Costa Brava après une nuit blanche, nos vacanciers sont déjà sacrément alcoolisés. Alors comment le tour opérateur va-t-il s'y prendre pour éviter tout débordement? C'est à Lloret des Mares, une station balnéaire qui voit sa population de 40 000 habitants doubler au printemps, que tout va se jouer. En première ligne, avec son polo rouge, Manu, l'organisateur. La réussite du séjour repose sur ses épaules. Ils ont bien bougé, un peu de retard, mais franchement, chaud. Ils sont là pour faire la fête. C'est parti. Hein. Plus il y a le soleil, ça va le faire. Hein. Bah, j'espère. Mais c'est ouais. Cool. Ah bah ouais. Ça s'est bien passé. Bah c'est bien. Bah là, on va y tous les enregistrer. Ils vont récupérer leur place pour la discothèque, pour l'open bar. Il y a déjà la musique, il y a déjà pas mal de monde qui sont arrivés. D'accord. Et puis, bah, ça va le faire. Hein. Au début, le personnel de Manu arrive à maintenir un semblant d'organisation. Jennifer et les autres arrivants doivent faire la queue pour s'enregistrer et récupérer les bracelets qui leur permettront de boire et manger à volonté. Bonjour. Donc, vous avez les 3 soirées sous programme avec la disco carte pour les 3 soirées. Vous êtes en priorité sur la droite, hein. C'est exprès la disco express. Hein. D'accord. Voilà. Et là, le bracelet magique. Ah oui. Hop là. Merci. Bonjour. Merci. Le bracelet, c'est en quelque sorte un permis de s'enivrer. Si à l'accueil, les organisateurs ne prodiguent aucun conseil sur les dangers d'une consommation excessive, en revanche, ils mettent en garde les jeunes contre la casse qu'ils pourraient faire dans l'hôtel. Et sur ce point, ils ne plaisantent pas, caution obligatoire pour tout le monde. Et si
C'est une caution. Une caution qu'ils doivent laisser en cas de dégâts et s'il arrive de la casse dans l'hôtel. De cette façon, on est tous plus rassurés. Et en plus de la caution, le propriétaire et Manu ont mis en place un dispositif de sécurité dans tout l'hôtel. Ça va, tout en place pour ce soir, la sécurité ? Une quarantaine de caméras pour surveiller le moindre débordement. Leur système se veut dissuasif. Couloir, terrasse, bar, tout est surveillé en permanence. C'est un système vidéo qui enregistre tout en permanence. S'il se passe quoi que ce soit, la police peut venir regarder les images. Tous les enregistrements, toutes les vidéos sont protégées. Et avec l'accord des policiers, on pourrait les visionner et savoir ce qui s'est passé. Ok, bon bah c'est parfait. Hein. Pour contrôler le millier de Français qui vient de débarquer, Manu a engagé en plus des vigiles, habitués aux situations difficiles. Au départ, quand ils arrivent, ils sont très calmes. Mais quand ils commencent à boire de l'alcool, ils se comportent différemment. Leur état d'esprit n'a plus rien à voir. Espérons vraiment que tout se passera bien pendant ces 3 jours. Espérons-le. Caution, vigile, caméra, tout est en place. Mais la partie est loin d'être gagnée. 558. Car Antoine et ses amis, tout juste majeurs et qui viennent de Poitiers, ont bien l'intention de vivre l'expérience sans limite promise par Manu. Ah, mais la piscine ! Ah, mais quelle est belle la piscine ! Quelle vue magnifique ! Tu vois, tu vas aller courir, Adrien ? 2-3 poubelles en bas ? Vu sur la mer ou pas, Antoine et ses copains n'ont de toute façon pas l'intention de passer beaucoup de temps dans leur chambre. On est là pendant 3 jours et puis bon, l'objectif c'est quand même de faire la fête, quoi. Ouais. Trouver ce qu'on n'a pas forcément à Poitiers. Ce qu'on n'a pas forcément en France. Des organisations qui sont pas faites comme ça en France. Et ce qu'ils trouvent rarement dans l'Hexagone, c'est le bar de l'hôtel qui sert de l'alcool gratuitement et à volonté toute la journée. À peine arrivés, nos jeunes étudiants se jettent sur l'open bar. Ils vont enchaîner verre sur verre de 10h du matin jusqu'à minuit sans songer une seule seconde aux conséquences. Le bar est propice aussi à la drague. L'équipée de célibataires n'échange pas leur numéro de portable, mais celui de leur chambre. 558. Déjà. Oui, on verra ce soir, on verra ce soir. Ça, tout se passe bien? Pas trop dur le bus? Petit rafraîchissement, ça le fait? Au milieu de ses jeunes clients, Manu, l'organisateur, veut montrer qu'il tient sa promesse. Alors, comment que ça se passe? Alors, il n'hésite pas à les pousser à la consommation. Bien installé. Ouais, comme il faut. Et ton verre est déjà vide. Hein. Voilà, et on va aller le remplir. Ah bah, il y a intérêt. Ouais, allez vous ravitailler un petit peu, là. Avec le soleil qui fait. Faut pas se laisser déshydrater. Ah non, surtout pas. Pour l'instant, l'organisateur les encourage, mais dans quelques heures, il devra au contraire tenter de les calmer. Car au bar de l'hôtel, l'alcool gratuit commence à faire des ravages. Antoine et ses amis, arrivés seulement il y a 2 heures, sont déjà bien éméchés. Ah mais c'est pas mal. C'est un bon début d'ambiance. Le DJ est bon. C'est vrai que le DJ est pas mauvais. Et au bar, Antoine fait la connaissance de Timothée, un joyeux de rille. Il s'est juré d'assurer à lui tout seul l'ambiance dans quelques heures. Open bar. Et là, vous faites quoi? Open bar. C'est open bar partout. C'est la fête. T'as qu'à de l'alcool, ça va. Mais au fil des verres, engloutis sans modération, les jeunes ont l'impression que l'alcool a quelque chose de bizarre. On sent pas grand-chose, quoi. Ouais, je pense que c'est du top budget pour pas perdre d'argent, quoi. On sent plus le coca que le whisky, quoi. Je vous jure que c'est coupé à l'eau, parce que toutes les bouteilles sont ouvertes. Ouais, ça c'est vrai. Toutes les bouteilles sont ouvertes, elles sont coupées à l'eau pour gagner de la thune. Je vous jure. Nous, c'est notre avis. Après, c'est personnel. Je suis sûre que c'est vrai, quand même. Je suis sûre aussi. Effectivement, les organisateurs n'ont pas tout dit à leurs clients. Ils ont trouvé une astuce pour tenter de limiter les excès. Nous n'avons aucune marque d'alcool traditionnelle. Comme tout est inclus ici, on utilise des marques différentes.
Tu vois cette marque Balou, c'est le cousin du Malibu. Le degré d'alcool dans toutes ces bouteilles a été diminué. La vodka, par exemple, est à 40 degrés, mais ici, elle ne titre qu'à 25. Comme ici, les boissons sont gratuites et à volonté, eh bien, ils boivent énormément. Alors, pour éviter les problèmes et surtout les bagarres, on offre de l'alcool moins fort pour que tout se passe bien. Mais ces parades ne se révéleront pas suffisantes à empêcher tout débordement. Car au total, ce week-end est l'un des plus tendus du Spring Break. Ce ne sont pas moins de 20 000 jeunes qui ont envahi les hôtels de la Costa Brava. Et parmi eux, il y a Alan, 18 ans. Et au même moment, il vient lui aussi de s'installer dans cet hôtel pour faire la fête sans limite. Sur la côte, il est 18h, c'est l'avant-soirée, l'heure où les problèmes commencent. L'hôtel d'Alan est lui aussi situé au cœur d'une zone résidentielle. Mais voilà, pour faire monter l'ambiance autour de la piscine, les animateurs poussent la musique à fond et les voisins en ont ras-le-bol. Tu vois là-bas, l'hôtel ? Tu vois, regarde, il y a carrément une sono là-bas. Je crois que c'est des Français. Maïka et Carmen, venues pour se reposer en famille, doivent supporter ça jour et nuit. Là, c'est assez tranquille encore comparé à hier. Hier, je ne sais pas combien de décibels c'était, mais c'était très fort. Et en plus de nuit, ça s'entend encore plus. Maïka ne s'attendait pas à un tel voisinage quand elle est devenue propriétaire d'un appartement ici. Ce sont des jeunes, ils boivent, donc ils ne font pas attention. On a peur qu'ils débarquent encore plus nombreux et qu'ils ne respectent pas les habitants de ce quartier. Et dans cette ville, l'exaspération ne cesse de monter, y compris chez les jeunes Espagnols du coin. Eric, lui, vit avec ses parents toute l'année dans ce quartier du centre-ville. C'est la chambre de mes parents. Là, c'est la salle à manger. Et ici, c'est impossible de dormir. Tu es là et regarde à quelle distance se trouve l'hôtel. Son appartement se trouve juste en face d'un établissement qui accueille des fêtards tous les week-ends. Alors, il ne se sent plus vraiment chez lui. Là, nous arrivons dans la zone du chaos. Tu entends ? Ils commencent à crier. Tu vois, c'est comme ça tous les jours. Et ça, c'est rien encore. Beaucoup de mes voisins se plaignent et vont voir le gouvernement pour qu'ils demandent aux hôtels de tenir leurs clients et qu'ils arrêtent de faire autant de bruit toute la nuit. Mais il semble que les touristes soient plus importants que nous, qui vivons ici. Mais les vrais problèmes commencent dès l'avant-soirée, bien avant les sorties en discothèque. Retour à l'hôtel du centre-ville où sont descendus Antoine et Jennifer. Il est 19h, la folie a gagné les centaines de Français complètement sous. Comme prévu, Timothée, qui a passé sa journée à l'open bar, a lancé les hostilités. On va demander où est le sang. De ce côté ? Il a mis au défi les fêtards des deux façades de l'hôtel de faire le plus de bruit possible. C'est peut-être vers là. Le chahut va durer de longues minutes et tant pis pour le voisinage. C'est énorme, on a même des projectiles quoi. On se croira à Bagdad alors qu'on est en Espagne. Regardez. L'euphorie a gagné tout l'hôtel. Les jeunes ont tellement bu qu'ils jettent des rouleaux de papier de toilette des balcons. Une dernière chance. C'est exactement ce que redoutait la sécurité. D'autant que la police vient d'appeler l'hôtel après des plaintes des voisins. Alors les vigiles décident d'intervenir. Notre chauffeur de salle est embarqué manu militari, il risque l'expulsion. Karim, le responsable des vigiles, lui passe un savon. C'est pour le règlement d'ici, parce que nous sommes, s'il y a quelque chose de bruit dehors à la piscine, c'est mal, parce que la police, il a appelé à nous.
Il nous semble que quelqu'un qui fait comme ça, nous sommes le prend, il fait assez la réception, il nous quitte le bracelet, il nous semble prendre le valise et le prendre dehors. Nous sommes travaillé 12 personnes ici pour faire pas de bruit, pas de bêtises, pas de bordel, comme ça. Et tout le monde pour s'amuser, pour passer les vacances bien aussi. C'est comme ça. Oui, il y a risque pour la loi de l'Espagnol aussi, hein, de l'Espagne. S'il y a quelqu'un comme ça, je vais avoir payé une molte pour 60 euros, et après 62 heures à commissariat, et après le juge. Et le juge ici, sont rapidement, sont 2 jours, et les vacances, il y a 3 jours seulement, il va rester 2 jours à commissariat. Et c'est la loi d'ici de l'Espagne pour nous. Finalement, Timothée s'en tire avec un avertissement. Mais dans les couloirs, il est acclamé comme un héros. Alors, pour éviter plus d'ennuis, il préfère s'isoler dans sa chambre. Mais il est assez remonté. Il vient de découvrir que le No Limit a des limites. L'hôtel est réservé que pour le spring break. Non, normalement, l'ambiance est énorme, quoi. Je croyais que c'était à l'américaine, mais bon, on est en France. C'est ça pour... Enfin, à côté de la France. C'est l'Espagne, c'est pas... C'est l'Espagne, c'est pas les États-Unis. On va éviter de se faire remarquer, quoi. Par les mauvaises personnes. Se faire remarquer par les filles, mais pas la sécurité. C'est un plan, il faut changer la stratégie. Salut ! Se faire remarquer par les filles, c'est aussi la stratégie d'Antoine. Pour lier connaissance, il a acheté de la vodka, de la vraie, à 40 degrés, alors que c'est formellement interdit d'en consommer dans les chambres. Pour échapper au regard des vigiles, Antoine et ses 7 nouvelles copines suisses décident de commencer la fête sur le balcon. En bas, Karim et les agents de sécurité n'ont aucun moyen de contrôler ce qui se passe dans les chambres, et nos fêtards l'ont bien compris. Mais sur un autre balcon, la situation dégénère. Imbibés d'alcool, les fêtards multiplient les imprudences. Et dans les couloirs, Karim commence à être nerveux, même s'il tente de ne rien laisser paraître. Et comme s'il n'y avait pas déjà assez d'ambiance, les organisateurs ont prévu un striptease intégral au rez-de-chaussée. Pour les agents de sécurité, le moment est délicat, car l'open bar va bientôt fermer et les jeunes sont ivres morts. Les vigiles sont tendus. Ils sont agacés de nous voir filmer ce chahut qui prend de l'ampleur. Le striptease terminé, les jeunes sont chauffés à blanc. Dans la chambre d'Antoine, la température est également montée d'un cran. Ils ont continué à boire au-delà du raisonnable. Il est minuit, heure de fermeture de l'open bar. Manu et ses vigiles décident de pousser les jeunes vers la sortie pour éviter qu'ils ne s'incrustent dans l'hôtel. Les fêtards sont survoltés. Il faut éviter la casse dans l'établissement. Sécurité également, c'est d'intervenir pour que les clients ne restent pas dans l'hôtel toute la soirée à siffler, à chanter comme ça, parce que la fête à 7h06, ça se passe en discothèque et pas dans les couloirs de l'hôtel. C'est un des moments les plus sensibles de la soirée. Allez les gars, s'il vous plaît, tout le monde qu'on nous fasse. Désormais, les jeunes vont continuer la fiesta dans les rues de la ville. Il est plus de minuit, dans la station balnéaire, l'ambiance est à son comble. Les groupes d'anglais sont les plus excités.
tous les hôtels ont poussé les jeunes au même moment dans les rues. Après les bars et avant les discothèques, c'est la tournée des bistrots avec de l'alcool, cette fois non coupé. Jennifer et ses amis se mêlent à tous les Européens. C'est à cette heure-ci que les commerçants du coin peuvent remplir leurs établissements. Nous recevons toutes les nationalités ici. Nous venons d'avoir 7000 Portugais, des Anglais, des Belges et maintenant des Français. Les Français sont très fêtards. Ils boivent beaucoup de chupitos. Les chupitos, une spécialité espagnole. Des petits verres d'alcool pur qui se boivent cul sec, aux effets ravageurs sur des organismes déjà bien imprégnés. Ils ne coûtent que 2 euros, alors notre joyeuse bande d'amis va commander tournée sur tournée. Très sympa, petit bar du coup, du coin, enfin dans une petite ruelle, mais très sympa du coup, j'aime bien les bars confinés comme ça, où on est voilà, une trentaine de personnes, donc voilà, c'est super, super sympa. Jennifer est partie pour une nuit de fête endiablée. La ville est désormais entièrement livrée aux fêtards surexcités. Isaac, le responsable du SAMU, est à nouveau sur le qui-vive. Allô ? Ça se passe dans quel hôtel ? Isaac vient de recevoir un appel pour intoxication alimentaire. Un appel qui provient du grand hôtel avec piscine dont se plaignaient les voisins cet après-midi. À notre arrivée, nous sommes accueillis par des vigiles français d'un autre tour opérateur. Ils sont plutôt nerveux. Les vigiles ne souhaitent pas qu'on tourne dans l'hôtel. Nous décidons malgré tout de suivre Isaac dans les étages pour voir dans quel état sont les jeunes en début de soirée. Dans quelle chambre sont les malades ? Mais les gardes prennent tout leur temps. Isaac pense qu'ils sont en train de le balader. Ils disent qu'ils ne savent pas où se trouve la chambre. Ils essaient de gagner du temps. C'est faux tout ça. L'équipe du SAMU finit par rentrer dans la chambre pour soigner les intoxiqués. Mais les vigiles refusent de nous laisser rentrer. Hola. Ok. Ok. Perfect. Ok. Franchement, il faut se calmer là, il faut arrêter d'être sur les nerfs là. Hein. Je sais pas. Pourquoi qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi qu'est-ce qu'il faut pas filmer? Je comprends pas. Moi, je protège nos sociétés, je protège mes clients. Ils sont ici pour s'amuser, faire la fête. Moi, je prends pas ce risque-là, donc voilà, tout simplement. En fait, le tour opérateur veut éviter toute mauvaise publicité sur les incidents. Et Isaac est agacé par leur attitude. Ils ont retardé l'arrivée de l'ambulance. Ils ne voulaient pas laisser les jeunes appeler les secours. Apparemment, les fêtards se sont enfermés dans leur chambre et ont appelé l'ambulance eux-mêmes. L'équipe du SAMU décide d'évacuer le couple malade. Isaac en profite pour leur demander ce qui s'est vraiment passé. Tiens, viens, assieds-toi ici. Ils vous ont posé des problèmes pour appeler les secours? Oui. Et vous savez pourquoi? Non, ils nous ont dit qu'il fallait payer 50 euros. Mais votre voyage est organisé pourtant. Je ne comprends pas, vous avez déjà tout payé. Ils nous ont dit qu'il fallait payer. Non, 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 écoute. En Espagne, faire intervenir le SAMU, c'est gratuit. Donc, tranquillise-toi. Les jeunes sont envoyés à l'hôpital en observation, mais leur cas n'inspire aucune inquiétude. Et notre équipe de journalistes est priée de quitter les lieux. Allez, ce n'est pas grave. Montez, on s'en va. Même Isaac a du mal à comprendre la réaction des vigiles.
Une ambulance s'est déjà rendue sur place hier. Ce soir, c'est la seconde fois. Je ne sais pas pourquoi ils exercent une telle pression, ni la raison pour laquelle ils ont peur d'appeler les secours. En fait, si les vigiles sont aussi tendus, c'est parce que la veille, un drame est arrivé dans cet hôtel. Alan, 18 ans, le jeune étudiant venu pour son premier spring break, a fait une chute vertigineuse depuis le cinquième étage de l'établissement. Et il a été évacué dans le coma vers l'hôpital de Tarragone. Le lendemain, sa mère et ses frères sont arrivés en catastrophe. Ils viennent tout juste de lui rendre visite. Alan est sorti du coma, mais son état de santé reste critique. Il risque de rester lourdement handicapé, comme l'explique Kevin, un de ses deux frères, à son père, par téléphone. Alors, ils ont mesuré, on va dire, à une échelle de sur 5, tous ses membres. Donc, il y a sa jambe droite, il a 4 sur 5. Sa jambe gauche, il a 3 sur 5. Son bras gauche, 1 sur 5. Et le médecin, ils sont confiants pour son rétablissement, quoi. Voilà. Et c'est maintenant, on va faire confiance à Alan, il va se battre, et puis voilà. Sur le banc, la mère d'Alan est effondrée. Elle commence à réaliser que son fils ne pourra peut-être plus jamais mener une vie normale. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que mon fils est dans son lit d'hôpital, qu'il a vraiment du mal à articuler quand il nous dit quelque chose. Il fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Je pense que c'est parce qu'on est là et qu'il veut montrer. Il fait travailler ses jambes parce que je pense qu'il base tout sur ses jambes. Pour lui, le fait que ses jambes bougent, c'est très important. Mais ses membres, ses bras ne fonctionnent pas. Il y a le bras droit qui fonctionne, mais très, très peu. Et voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas si Alan sera sur une chaise. On ne sait pas si Alan aura toute sa tête. On ne sait pas s'il pourra reprendre ses études. On ne connaît pas son avenir. Il va falloir qu'on vive au jour le jour, qu'on s'organise pour ça. Quelque part... c'était pas assez sécurisé. Un groupe de 500 gosses qui arrivent comme ça pour s'éclater, ils vont aller jusqu'au bout de leurs limites. Et ils ne les connaissent pas, leurs limites. Son fils remarchera-t-il un jour ? Pour l'heure, les médecins ne se prononcent pas. Alors la famille envisage de porter plainte contre l'organisateur pour connaître les responsables. En attendant, ils n'ont qu'un seul but : rapatrier Alan le plus vite possible vers la France. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Nous sommes allés en caméra cachée dans l'hôtel où l'étudiant français a chuté. À la réception, le drame est encore dans toutes les têtes. Beaucoup vu, et il y en a un qui est tombé du cinquième étage ici. Donc, il était toujours dans le coma. Il a perdu l'équilibre. Très beau, oui. Très beau, ouais. Très. 24 sur 24 heures. 24 heures sur 24 bourrés. Ouais. Il est collé ici, de l'escalier. Pardon. Ouais. Comme ça. La tête la première. L'escalier en question, le voici. Il est en béton, avec au centre un puits étroit et profond. Ce jour-là, nous croisions une employée. Selon elle, le parapet est parfaitement aux normes. Je crois qu'il est à la bonne hauteur. L'escalier est aux normes en matière de hauteur. Au bar de l'hôtel où Alan a consommé de l'alcool à volonté, le serveur n'a pas l'air franchement surpris de ce qui s'est passé. J'ai appris qu'il y avait un Français qui était tombé. Oh, pas qu'un seul. Quand ils picolent, ils tombent tous comme des mouches. En fait, dès son arrivée à l'hôtel, Alan a enchaîné les consommations toute la journée, au point de devenir complètement saoul. Le barman a même fini par refuser de le servir. C'est à ce moment qu'il est remonté dans sa chambre. Mais quelques minutes plus tard, il redescend pour retrouver ses amis. Et c'est en s'approchant de l'escalier qu'Alan, titubant, bascule la tête la première dans le puits. En traînant à la réception, nous faisons une nouvelle découverte. Il y en a un autre qui est tombé du deuxième étage, mais dehors. Celui-là, il va bien. Maintenant, c'est un Français aussi ? Un Français aussi. Dans l'hôtel,
Alan ne serait donc pas le seul à avoir chuté. Et les employés ne s'étonnent plus de tels accidents. Chaque année, ils se répètent sur la Costa Brava. En 2010, un jeune Portugais est mort en tombant d'un balcon. Et cette même année, une étudiante anglaise a été violée. Enfin, la saison précédente, une bagarre générale avait même éclaté entre des dizaines de jeunes et la police. Rien d'étonnant non plus pour Eric, notre jeune Espagnol qui vit ici en permanence. L'année dernière, une de ses amies a échappé au pire. L'année dernière, des Anglais ont essayé de violer une de mes amies. Ils l'ont rencontrée à la porte d'une discothèque et l'ont suivie jusque chez elle. Ils étaient bourrés, la police les a arrêtés, puis finalement relâchés. Il y a souvent des choses qui se passent, et comme nous habitons ici, on est au courant. C'est une amie d'enfance qui m'a raconté que ça lui était arrivé. Ils ont essayé d'abuser d'elle, mais elle s'est enfermée chez elle et a appelé la police. Ils se sont fait arrêter et finalement, ça n'est pas allé plus loin. Il y a de tout. Oui, il y a de tout. Ce soir, ils vont tenter eux aussi d'aller faire la fête. Mais ils vont devoir se confronter à tous les étrangers qui ont envahi leur ville. Eric aimerait bien trouver une boîte, sans trop de fêtards, surexcités. Ils vont finalement tomber sur une rabatteuse qui leur garantit dans sa discothèque une bonne ambiance. Il y aura plein de jeunes et de la musique house. Nous attendons beaucoup de touristes, beaucoup de Français. Je ne sais pas combien de groupes il y aura, mais ils seront nombreux. En général, la moyenne d'âge, ça va de 16 à 25 ans. Je pense qu'aujourd'hui, l'ambiance va être bonne. Ok, tu peux nous inscrire. Vous êtes combien ? Nous sommes 6. 6 ? Bon, bah voilà. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Bon, et bien maintenant, direction la boîte. Mais c'est la discothèque la plus réputée de la région. Et mauvaise surprise, l'information n'a pas échappé aux clients du Spring Break qui arrivent par cars entiers. Ah, voilà les Français. Ils ont dû commencer à picoler dans l'hôtel depuis cet après-midi. Et ils arrivent bien cuits. Et où vont-ils ? Ils vont continuer à boire en discothèque. Grâce à leurs invitations, Eric et ses amis avaient des chances de rentrer gratuitement jusqu'à une certaine heure. Mais en cette saison, les fêtards du Spring Break sont prioritaires sur les Espagnols. Il y a beaucoup trop de queue, qu'est-ce qu'on fait ? Si on doit attendre, on va perdre nos entrées gratuites et il va falloir payer. Si c'est pour attendre... Oui, on n'a qu'à tenter une autre boîte. J'en connais une où il y a toujours du monde et l'ambiance est sympa. Allez, on s'en va. Ok, on laisse tomber. Allez, on s'en va. Découragés par l'attente, Eric et ses amis finiront par trouver une petite boîte fréquentée par les Espagnols, loin des Français. Dans les files d'attente, nous retrouvons Jennifer. Elle fait partie des privilégiés qui rentrent gratuitement ce soir. À l'intérieur, c'est la folie. La veille, la discothèque était vide. Ce soir, elle a fait le plein grâce aux organisateurs des fiestas. Antoine et ses amis sont également de la partie. Ici, les jeunes sont en sécurité, tout se passe bien, car il n'y a pas d'open bar. Les boissons sont payantes, alors Jennifer et Antoine ne vont pas en consommer. C'est le seul moment de la journée où ils ne boiront pas. La soirée mousse peut commencer. C'est le clou de la soirée. Le chauffeur de salle ce soir-là est français et il encourage les jeunes à se lâcher autant qu'ils le peuvent. L'Espagne, la fête, les bordels, le Spring Break, tout est permis. Tout est permis.
Cette nuit-là, contrairement aux hôtels, aucun incident ne sera déploré dans les discothèques habituées à gérer de telles foules. Pendant que la fête bat son plein sur la Costa Brava, la mère d'Alan se démène auprès de son fils. Elle a pu enfin le rapatrier en France, à l'hôpital de Dijon, près de leur domicile. Et pour lui redonner espoir, elle vient le voir tous les jours. Bonjour Alan. Bisous. Ben, ça va, t'as du monde dans le... Ça va mon grand? Ça va. Alan est désormais sorti du coma. Mais il doit porter en permanence ce corset pour maintenir ses cervicales endommagées. Il s'en tire aussi avec une fracture du crâne. Mais ce qui inquiète le plus sa maman, ce sont les bras et les jambes de son fils. Alors montre-moi tes progrès sur ton bras là. Ouais. Laura. Comme ça Laura, tu mets ta main en dessous le coude. Voilà. J'arrive pas à me lever plus. Mais c'est déjà pas mal, il y a du progrès. La main est morte. La main est morte. Ah mais là, on dirait dans Scary Movie. Aujourd'hui, Alan a bien du mal à se rappeler de sa chute dans l'hôtel et des derniers instants qui l'ont précédé. Seuls certains souvenirs émergent. Juste un souvenir de la journée. La journée, elle avait l'air prometteuse, mais la soirée, c'est moins bien passé. Moi, j'étais trop sous, je pense, Dès le premier soir, je me suis éclaté. Je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais je me suis fait virer du bar, apparemment. De l'open bar, je me suis fait virer. C'est un ami qui m'a dit ça. Et direct après, je suis monté les rejoindre. Et eux, ils sont descendus manger. Et moi, je suis descendu direct... sans passer par les escaliers, quoi. Il commence à comprendre à quel point l'alcool lui avait fait perdre toute conscience. De midi jusqu'au lever, c'était open bar. Donc j'en ai bien profité, moi. J'y allais tout le temps, je demandais tout le temps de whisky coca. Enfin, c'était génial. Enfin, l'ambiance, le cadre était super. Et puis pouvoir boire gratuitement, enfin, c'était le rêve. Et vraiment, je me suis vraiment mis mal, en fait. Mais j'étais bourré au point de tomber, quoi. C'est alarmant, quand même. Juste à tomber des escaliers, il faut le faire. Je me suis dit, je me fais de la peine quand je sais ça. Je devais vraiment être une loque, quoi. Au début, ils pensaient que je pourrais plus me servir de mes membres. Donc, mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance, quoi. Tu considères que tu as eu de la chance que t'as... Tomber de 5 étages et sans relever... pas indemne, mais vivant, c'est énorme, quoi. 5 étages, c'est énorme. C'est même un véritable miracle. Alan est tombé de plus de 10 mètres, et normalement, à cette hauteur, les chances de survie ne dépassent pas 1%. Pour l'instant, il est toujours cloué dans sa chambre d'hôpital. Il est encore incapable de marcher. Ses jambes ne le supportent pas. Si l'avant-soirée est un moment sensible, les lendemains de fête sont aussi propices aux incidents. Retour sur la Costa Brava, dans l'établissement où séjournent Antoine et Jennifer. Dans les couloirs, il n'y a plus apparemment qu'un seul vigile. Les jeunes sont quasiment livrés à eux-mêmes et l'alcool coule à nouveau à flot sans que personne ne les mette en garde contre de nouveaux excès. Antoine n'a pas beaucoup dormi, mais il est déjà sur le pont, un verre à la main. Au centre de leur discussion, l'attitude des agents de sécurité qui ont des méthodes, selon eux, trop musclées. La sécurité, elle est trop... Ah non, ils sont désagréables. Ouais. Il y a une équipe qui est vachement désagréable. Pour encadrer ça, il faut être un minimum cool. Il faut savoir parler, il faut être tranquille. Et les mecs, tout de suite, ils agressent, que ce soit au bar, dans les couloirs. Les vigiles, ils agressent tout le monde. Ça, c'est assez chiant. Parce que bon, faut savoir qu'on est quand même des jeunes, on est là pour s'amuser. On a pour rigoler, on a de l'alcool à volonté, donc forcément on a un coup dans le nez, donc forcément on fait du bruit. Et pour ça ils sont pas cool. Et moi je trouve ça dommage pour un spring break. Normalement on est là pour faire la fête, on est là pour s'amuser. C'est entre guillemets nos limites. Et là je trouve par rapport à ça il y a trop de limites justement.
Pourtant, dans la journée, le service d'ordre est invisible. Et la fête repart de plus belle. Jennifer et sa copine sont à nouveau sur les balcons. Voilà, pas chez les voisins, boire l'apéro. Il faut bien commencer la journée. C'est parti. Il est midi. Elles n'ont pas encore pris de petit déjeuner. Et comme Antoine, elles vont recommencer à boire. C'est leur dernière journée. Au cours du séjour, dans l'hôtel, fleurissent une multitude de fêtes privées. Et les jeunes font la tournée des chambres, les unes après les autres. Bon week-end. On n'a même pas envie que ça se finisse. Toi aussi ? Ah oui, très bon week-end. Ça passe trop vite. Pastis, absinthe, whisky, que des alcools forts interdits dans les chambres et achetés à l'extérieur. C'est devenu un petit rituel, ouais. On va dire ça comme ça. On se retrouve à midi ici et là. Finalement, l'eau à l'inclus, ça sert à rien. On se quitte plus, non, mais après, voilà, on va se balader en ville, on va voir les bars du coin. Non, mais on va tester les petits. Du coup, il y a des petits bars locaux, c'est sympa. Toute la journée, ils vont enchaîner les verres, sans restriction et avec très peu de surveillance. Puis, c'est à nouveau un départ en ville, à la recherche des petits bars du coin. Il est 15h, elles ont peu dormi et toujours pas mangé. Avec un tel régime, les organismes commencent sérieusement à fatiguer. Pour autant, elles ont décidé d'ignorer toute prudence pour continuer à boire encore plus. Franchement, l'hôtel, l'alcool, c'est la volonté, mais c'est pas bon. Donc, c'est vrai qu'à l'hôtel, gracias. Voilà la boisson du spring break. Hein. Puis en même temps, on est aussi venu là pour voir ce qui se passe un peu à l'extérieur de l'hôtel. Parce que c'est vrai que l'hôtel, bon, on est... Ouais, toujours on est enfermé. Ouais. C'est sympa aussi de... Ouais, de s'échapper, c'est vraiment ça. Voir ce qui se passe ailleurs. Alcool pur, 40 degrés. À ce moment, il serait préférable de tout arrêter, d'aller faire une bonne sieste. Hola, ¿qué tal? Viva España! Mais passablement éméchées, elles se mettent à interpeller les habitants du coin. Et vous êtes d'où? Ah, française. Ah, je suis allée à Paris, c'est merveilleux. Bon, amusez-vous bien, mais ne buvez pas trop, hein. Surtout, ne buvez pas trop. Ils sont... Non, contre les Espagnols, très, très, très sympa. Après 3 jours d'alcool non-stop, Jennifer commence à perdre pied. Vamos a la playa, mi me gusta nacer. Et dans un état d'ébriété bien avancé, elle se dirige vers la plage avec ses copines. Alcool, débordement, conflit de voisinage. Comment les autorités locales peuvent-elles tolérer de tels troubles dans leur station balnéaire? Le maire affirme qu'il tient bien les choses en main. Il n'y a jamais eu d'incident ici. Aucun dégât sur le mobilier urbain. Tous ces jeunes font du sport le matin et le soir, ils essaient d'en profiter, c'est tout. Nous faisons très attention à l'image de la ville. Les fêtards ne représentent que 8000 personnes. Ils viennent faire la fête pour la fin des examens universitaires pendant une période donnée. Après, ils ne reviennent plus. Ces voyages restent très anecdotiques. Ici, nous recevons 2 millions de touristes, dont 80% de familles. Si le maire cherche à minimiser les problèmes, c'est parce que sa ville bénéficie avec ses spring break d'importantes retombées économiques, surtout hors saison, quand les plages sont habituellement désertes. En quelques week-ends, ces nouvelles fiestas rapporteraient 8 millions d'euros à sa ville. En échange, les habitants doivent supporter les excès des fêtards. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche. Jennifer et Roxane sont arrivées à la plage et se jettent tout habillées dans la mer. Elles n'arrivent plus à tenir debout. Il est grand temps que la fête se termine.
Les Français ont improvisé une dernière beach party avec sono à plein volume. Mais cette fois-ci, la coupe est pleine, les policiers débarquent pour stopper net cette discothèque en plein air. Après 3 jours de spring break, les fêtards laissent la ville exsangue et repartent avec une sérieuse gueule de bois. De son côté, à l'hôpital de Dijon, Alan a retrouvé le moral après sa terrible chute. Ses jambes réagissent de mieux en mieux. Ça va, tranquille. T'as fait la bise. Brice, son frère, ne l'avait pas revu depuis son hospitalisation en Espagne. Bon, vas-y, montre-moi là comment tu marches. Comment je marche, oui. Lève-toi. Et marche. Tu te mets debout là, marche là. Ah ouais, attends, si tu marches, je me fais engueuler par les infirmières. Ah, t'as pas le droit? Non. Je me fais engueuler si elle me voit. C'est tombé. Non, mais voilà. Là, je peux me bouger, ça fait plaisir, quoi. T'as trop une bonne mine, gros. T'as trop une bonne mine. Ouais. Enfin, ça fait trop plaisir. J'ai passé 2 semaines, même 3 semaines avec lui, tout, en le voyant tous les jours et tout, machin. J'en ai marre, moi. T'en avais marre un peu, ça m'a fait du bien aussi de couper les ponts. Ouais. Je suis super content, en plus, c'est un super jour aujourd'hui, gros. Tu bouges, quoi. Ouais. Tu vas voir ailleurs, regarde-toi, t'es assis et tout. Comment ? Je vais bientôt courir. Ils t'ont fait marcher les escaliers un petit peu ? Les descendre, les monter ? Ils m'ont fait marcher dans le couloir. Ouais. Ils m'ont fait faire demi-tour. Ouais. Et maintenant, je vais aux toilettes. Tu vas aux toilettes tout seul, quand même. Moi, j'en avais marre, là, d'être allongé, là. C'est... Puis d'attendre et tout, ouais. Demander, quoi. Non, mais ça fait du bien. L'état de santé d'Alan s'est amélioré. Et aujourd'hui, sa mère tente toujours de clarifier les responsabilités. Elle envisage toujours de porter plainte pour obtenir des réponses et faire en sorte que le drame de son fils puisse servir d'exemple. On va aller en justice pour essayer de, justement, de mettre ces gens-là face à leurs responsabilités, c'est-à-dire le tour opérateur qui organise ça et le chef d'établissement, le directeur de l'hôtel qui a loué ses locaux alors que c'était pas lieu pour faire la fête comme ça. Ils ont organisé ça, ils ont appâté les jeunes par ce cadre idyllique avec des prix battant toute concurrence. Donc, ok, c'est bon, ils ont ramassé de l'argent et tout, mais il y a eu le drame. Malgré tout, ça faisait 5 ans qu'ils faisaient ça, il n'est jamais rien arrivé. Alan est tombé. L'exemple, il faut qu'il se fasse maintenant, il faut que ça suive pour les autres. La police espagnole a ouvert une enquête et la famille attend avec impatience ses conclusions. Nous avons contacté les organisateurs. Ils déclinent toute responsabilité dans ce drame. Et il y a quelques jours, le jeune étudiant a connu une nouvelle étape dans son combat. Son transfert dans une maison de rééducation. Un travail qui devrait durer plusieurs mois.